m'appelle Yakuba Konaté, je suis prof de philo. Je suis par ailleurs directeur du MASA, Marché des Arts du Spectacle d'Abidjan, et directeur de la Rotonde des Arts. Bienvenue dans le monde d'après. C'est difficile, hein. Moi je suis un peu sceptique quant à tous ceux qui disent que plus rien ne sera plus comme avant. Les capacités de résilience de l'homme sont très très fortes et ce qui va peut-être changer dans notre mode de fonctionnement au niveau culturel, c'est qu'on a appris à travailler tous, j'allais dire en vase clos, plus personne ne bouge vraiment. Tous ceux qui croyaient que la survie globale des groupes ou des entités dépend de la capacité à tourner à l'international, ont compris qu'on peut très bien vivre et travailler tout en restant confiné. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir toutes les stratégies que les artistes mettent en place pour se signaler quand même, pour montrer qu'ils sont en train de travailler. Oui, à Bobo, pour moi, c'est un projet, le musée des cultures contemporaines Adama Tunkara, c'est un projet que j'invite chacun à soutenir. C'est un projet qui est un défi. En ce sens que c'est un musée d'art contemporain qui est dans un quartier qui est considéré comme très populaire. Donc c'est le défi de la réception, c'est le défi des programmes, c'est aussi le défi de la découvrabilité. En ce sens qu'il faut que chacun comprenne que les œuvres d'art sont faites pour le public. Les films, c'est fait pour être vu, les vidéos, c'est fait pour être vu. Les peintures, c'est fait pour être vu et il faut qu'ils considèrent qu'ils sont partie prenante d'emblée de tout ce qui se fait au niveau de la création, qu'avec ou sans invitation, il faut qu'ils fassent l'effort de franchir le pas. J'ai eu le plaisir de retrouver un livre que j'avais cherché pendant longtemps en vain, parce que chaque fois que moi je lis un bon livre, j'ai l'impression de devenir plus intelligent. Le titre, c'est « Brooklyn Folie ». Et je cherchais en particulier un passage où Kafka rencontre dans un parc une jeune fille qui est inconsolable parce qu'elle vient de perdre sa poupée. Kafka compatit au drame de cette jeune fille et puis le lendemain il revient lui dire en fait ta poupée elle a voyagé, elle n'est pas morte, elle a voyagé. Et elle va t'écrire tous les jours et je t'apporterai ses lettres. Donc il passe, Kafka sait qu'il va mourir, hein. Il sait qu'il est malade, ce sont ses derniers moments. Et puis tous les jours, il écrit une lettre à cette fille qui porte sur une aventure imaginaire de cette poupée qui vit sa vie et qui finit par se marier. Et puis j'aime beaucoup cette histoire parce que je pense que ça nous renvoie tous y compris dans la période où nous sommes, ça nous renvoie tous à l'évidence que pour continuer à vivre, on a besoin d'un récit qui nous porte. Donc malheur à tous ceux qui n'ont pas de récit pour les porter. Au public de l'Institut français, je pense que la rigueur, c'est de dire respecter les mesures barrières, mais continuer à sourire à la vie et à croire à la culture. Et il se trouve que l'Institut français est un centre d'excellence en Côte d'Ivoire et il faut continuer à y venir. Et c'est un lieu de rencontre qui est vraiment unique à Abidjan.